nous et tout le monde a commencé Nouvelle Grenadier semaine 1er septembre non, avec Jimmy Ben Alexis qui fait signer un contrat là pour équipe Arménie Lori FC. Il y a pas bail détail contrat, il y a pas bail combien que monsieur pour le toucher, mais nous ca essayer joindre pour talent nous pour regarder ça. Mais ça qui est important c'est que monsieur signe pour 2 ans avec quoi son prêt lié avec option achat. Donc monsieur quitté AS Capoise là semaine dans la ça gagne 2 jours environ et puis monsieur signe un contrat dans Lori FC. N'a pas gardé côté monsieur Chita là et puis monsieur a signé un contrat lié en Arménie. Donc nous va suivre évolution monsieur pour vous. Et puis nous déjà souhaiter bonne chance dans le football arménien dans FC Lori. FC Lori qui continue avec piste haïtienne après nous capable de Jimmy Ben Alexis et mais gagne un ancien de club là. Qui est ancien de club là qui c'est Jonel Désiré. N'a pas gardé monsieur là avec madame ni avec petite ni, nous va compter si c'est vrai petite ou bien son petite adoptée ou bien c'est premier petite fille hein. Mais en tout cas là c'est avion qui t'a pas le prendre pour te retourner en Arménie et pour y aller dans FC Lori pour y retourner. Donc Jonel Désiré nous voit que donc monsieur pour rejoindre Jimmy Ben Alexis dans l'équipe là. Donc il y a deux haïtiens dans l'équipe ça qui pour ferrailler dans l'équipe ça. Donc tout à l'heure nous t'ai dit que nous pas connaît qui montant transfert là. Nous pas essayer joindre pour vous. En passant ça c'est une équipe dans pays Azerbaïdjan. Équipe ça les Zira FC. Ça fait monter Zira FC c'est parce que Sony Nordé monsieur lui-même tout il fait signer dans équipe ça nous sont Sony Nordé qui était à jouer en Inde après ça monsieur allé Pakistan plusieurs petits pays comme ça. Et bien là monsieur retrouvé dans Azerbaïdjan et Sony Nordé va market value monsieur descend un petit peu c'est 200 000 euros que monsieur signe un contrat. En tout cas monsieur Poil bataille là contre des équipes comme Nefti Bakou. Nous connaissons Nefti Bakou qui fait signer et plusieurs grenadiers là dans Kankou, Donald Guerrier etc. Donc nous pouvons suivre qui ça pour le bail. Et en attendant on cherche pour vous informations sur Jimmy Ben Alexis dans Lori FC pour nous connaître combien cob que monsieur Paul signe un contrat même si son prêt lié. Donc nous connaît Lori FC c'est dans pays Arménie même pays avec Kim Kardashian pays maman Kim Kardashian. Nous connaît moun sa pas tellement de problème avec moun de couleur côté haut. Donc est-ce que c'est ça qui fait que qu'on connexion qui fait comme ça entre Haïti avec football arménien. C'est pas seulement de Grenadier ça qui gagne l'autre tout dans pays cap évolue dans pays ça. Mais en attendant on essaie de joindre combien est-ce que FC Lori nouvelle là c'est FC Lori Vanadzor. FC Lori Vanadzor. Donc on a cliqué sur lui pour nous voir ça travail. Donc mes joueurs complets ou. Et puis nous là Jimmy Ben Alexis que fait signer là. Mais jusqu'à présent il vous promettait montant transfert là. Donc aussitôt que gagne information n'a vin avec vous. Mais ouais que son équipe multinationale gagne un pile brésilien là-dedans, gagne un pile colombien, gagne un pile sud-américain, gagne monde qui sorti Nigeria, gagne Côte d'Ivoire. Donc vraiment son équipe multi-ethnique
qui évolue. Et coach là, c'est David Campagna, son espagnol que monsieur est. Et donc vraiment son Jimmy bien Alexis Paul bien entouré. Et nous connaissons que monsieur Paul gagne Jonel Désiré qui peut ajouter dans l'issa qui a vu une journée. Donc vraiment monsieur tombé dans un bon club là. Et ça c'est pas une nouvelle porte pour monsieur aller dans l'autre équipe, peut-être en Europe. De toute façon, il quitte ASC, Association Sportive Capoise. Nous connaissons actuellement en Haïti, le football n'a pas vraiment joué avec cause insécurité, ça a causé problème gaz, etc. Donc on a déjà pas allé dans le match. Et il y a des grands rendez-vous qui viennent par exemple déjà là le 7 septembre Haïti qui pour la jouer. Nous allons parler de ça tout à l'heure contre Curaçao. Mais en tout cas, son bon move pour Jimmy Alexis qui va prendre plusieurs jalons dans le football arménien. Hein. N'a pas suivre évidemment évolution monsieur pour. L'autre nouvelle attaquant haïtien Marc Jeffrey Pierre, monsieur signé là dans FC Setúbal. Ça fait longtemps monsieur t'a cherché un bon club, un autre challenge. Et bien monsieur joue un très bon challenge là dans 4e division dans FC Setúbal au Portugal. Et bien monsieur nous connaît agent monsieur au fait qui t'a cherché contre ça bon qui t'a pêché jouer un club en 2e division, mais ça pas de marché. Et finalement c'est en 4e division que monsieur Poil évoluer. Mais FC Setúbal son club qui relie avec un gros club qui est en 2e division actuellement. Donc monsieur Guindoua a une possibilité pour aller dans 2e division très bientôt depuis le bien performé. Et puis il y a l'autre opportunité nous connaît bon de pour dans le pays Portugal, il y a un pile agent, un pile scout, un pile recruteur. Donc Marc Jeffrey Pierre, ça monsieur besoin là, c'est juste faire de voile, mettre de voile au propre, travail dur, entraîner dur et puis la privée. L'autre nouvelle, c'est que nos gens nous connaissent, j'aime te dire là, équipe nationale là, pour la jouer là, le 7 face à Curaçao. Eh bien, nous connaissons que il y a un problème de cyclone, nous par contre si problème de cyclone non, pour perturber match ça. Mais en attendant, bon l'autre haïtien, nous songez monsieur était dans Paris Saint-Germain. Et ça fait monsieur de quitter Paris Saint-Germain, c'est Neymar qui était venu signer. Monsieur était titulaire même. T'es qu'on époque, monsieur était même, t'es qu'on a baillé Di Maria avant. Et puis, bon, monsieur. Léo a acheté Neymar, monsieur vient pas jouer encore et puis monsieur a commencé frustré parce qu'il avait besoin d'aller dans la Coupe du Monde pour la France. Et je suis capable de dire jusqu'à ce que Mbappé ne vienne pas arrêter et dans les parages, et bien, monsieur était vraiment en pole position. Monsieur était dans une bonne position pour te joindre en place pour Didier Deschamps et Lille. Didier Deschamps même commencé par la veille et c'est ça fait le monsieur t'a fait intéressant nous capable de monsieur pas de venir jouer pour Haïti monsieur pensait Didier Deschamps d'avoir relil mais finalement Neymar vini et puis Mbappé vient paraître. Mbappé joue une grosse saison et puis c'est Mbappé relé et puis monsieur lui même il t'a tombé dans petite équipe en Allemagne qui est Red Bull Leipzig. Et bien pendant monsieur dans Red Bull Leipzig il pas vraiment font une saison extraordinaire et mais c'est ça qui fait que monsieur Vini raté sélection hein. Dernièrement il était relé Haïti était monsieur pour la jouer dans U20 dans Olympique. Monsieur était dit non, il va intéressé par bail Olympique, c'est dans gros équipe là pour relé. Nous pensons que tu as parlé monsieur dans Gold Cup là, mais ça pas arrivé fait. En tout cas, et Jean-Kevin Augustin, monsieur retourné à Monaco là. Monsieur fait tourner Monaco. Il a signé hier et pour un an avec une option, un prêt à option d'achat. Nous pensons que là, sélectionneur nous, t'as supposé faire
prendre contact, commencer à prendre contact à monsieur là, parce que on pas penser que faute la ferme net pour monsieur en France, mais il est très difficile pour monsieur à jouer dans la sélection française parce que tellement de bons joueurs qui a évolué dans la Ligue 1 et qui a pris place monsieur, qui est Mbappé, qui est paquet de Griezmann, qui est paquet de l'autre joueur qui l'a tout, qui est Thomas Lemar, etc. Donc monsieur pas grand pile chance pour monsieur ta, à moins que monsieur ait une grosse saison dans AS Monaco. Mais en attendant, si Haïti voulait, Haïti t'a fait quoi, courir les monsieur en match officiel. Et comme ça, monsieur a toujours lié avec nous. Didier Deschamps, pas capable de briller monsieur encore. Eh bien, en parlant de sélection, hein, nous t'ai dit que c'est samedi là, le 7 septembre. Ok, match Curaçao contre Haïti. MMA au Real, hein. Le 1er septembre hier, équipe la terre assemblée Miami. Jeudi a eu un entraînement que va le faire la Miami. 4 septembre, il a pas entraîné Miami. Le 5 septembre, équipe à 10h30, équipe l'a quitté pour aller Curaçao. Et puis dans 6h après-midi, il a fait entraînement Curaçao dans stade là. Ok, et puis le 6 septembre, la veille, match là, ils vont faire l'autre entraînement officiel. Et puis match là, c'est le 7 septembre à 6h p.m. Donc on est le match là à jouer à Ergilio. Ok, et nous souhaitons déjà bonne chance à Gonadio. Match retour là à jouer le 10 septembre. Alors, ça qui passait, c'est que le 8, le lendemain, dans dimanche. Dimanche 4 septembre, l'équipe a quitté Curaçao à 6h pour arriver à Port-au-Prince. Le 9 septembre, il a fait entraînement officiel la veille match là. Et puis le 10 septembre à 6h p.m. Et bien, dans le stade Silvio Cator, Haïti a recevoir Curaçao pour match retour là. Donc, fois ça, il n'y a pas guetté les Jean-Kevin Augustin. Mais nous pensons que n'a pas capable de faire ça dans l'autre occasion. Et nous pouvons voir qui sélection que Haïti, en fait qui joueur, tout joueur que Haïti relé pour mettre ça. Mais avant d'aller dans le joueur, ça, nous songeons tout à l'heure que Sony Nordé, monsieur arrivé dans Zira FC. Et bien, pour le premier match, monsieur est en. Fait la couleur, annoncer la couleur parce que monsieur égalisé dans le championnat Azerbaïdjan. N'a pas gardé Sony Nordé toujours qu'un bien frappe là. En plus, nous demandons pour qui ça va pas arrêter Sony Nordé dans la sélection encore parce que monsieur toujours baille des belles performances par tout côté passé. Nous connaissons tout joueur haïtien qui a joué à l'extérieur. C'est monsieur financièrement. Nous ne pouvons pas dire monsieur sont millionnaires, mais financièrement, monsieur pas de problème. Encore pour toute reste ville parce que monsieur vraiment bien réussi notamment dans le pays Inde et dans le pays Pakistan côté monsieur son gros vedette. Il y a pas qu'on est monsieur Haïti en pile, mais dès pour parler de Sony Nordé dans le pays Inde, son gros vedette pour parler, c'est comme pour parler de Cristiano Ronaldo, etc. Monsieur vraiment qui très populaire l'autre bois. Monsieur fait un pile cob l'autre bord. Nous pas regarder goal égalisation monsieur fait pour premier équipe pour notre premier match li, pour nouvelle équipe qui c'est Zira FC. Yaxşı keçirmişdi Saşa, amma bu epizoddə o da komanda sanki kömək edə bilmir. Baxırıq bəkara, Cəlmədəsin malikinə uzaqdan qüvvətli zərbə və top kimi, elə deyək ki, artilleriya zərbəsidir, sanki çox qüvvətli bir zərbə alındı və uzaqda qarşısında Saşa Stamenkoviç da aciz qaldı, amma sabah irəli atılır və ikincidən zərbəli topu oynaya daxil edəcək indi qonaqlar maçın son dəqiqələr. Avec liste convoquée pour match 7 septembre, non? Avec 7 et avec 10 septembre. Johnny Placide qui peut rejoindre le club toujours. Josué Duverger qui a joué dans Vitoria Setubal tout. Et
comme défenseur, il y a Karlen Sarkus, Aji Osser, Jimmy Ben Alexis, nous connaissons qui pourra jouer dans FC Lori, Stéphane Lambez, US Orleans, Andrew Jean-Baptiste, qui a joué dans UEMA, James Gifford, qui a joué dans Fresno, Ricardo Ade, Deportes Magallanes, Alex Christian, qui a joué dans FC Ararat. Dans le milieu de terrain, nous avons Brian Alceus dans Paris Saint-Germain, Paris FC, Sonny Moustiva, Nefti Bakou, Steven Saba dans Violette, Kevin Lafrance, Apoel Nicosie en Chypre, Zachary Erivo, Birmingham, Legion. Comme attaquant, nous avons Hervé Basile dans Le Havre, Franzi Pierrot en avant-guingamp, Duquesne Nazon, Saint-Mirin, Derek Etienne, FC Cincinnati, et puis il y a deux joueurs là, de nouveau, qui en fait, les gagnent en pile potentiel. Comme ça, tout que selon le comportement, il y aura tout out. Mais c'est un équipe qui a des bons potentiels pour mettre une série de gros noms dehors dans la ligne d'attaque là. Cristiano François Ottawa Fury et puis Dandison Luisius qui a joué dans Obro. Donc deux joueurs ça yo, vraiment deux très bons joueurs que suivez non ça yo. Par contre s'il y a une chance monter Cristiano François qui a joué dans Ottawa Fury et puis Dandison. C'est deux nouveaux recrues, de nouveaux appelés. Alors, M. Saogen, il y en a d'un qui prend place Cantave. Qui prend place Cantave, Michael Cantave, qui même fait goal, qui joue un très bon début de saison. Mais Michael Cantave fait goal déjà dans l'équipe. Il y a un joueur Saogen qui prend place, monsieur. Nous souhaitons que Neg yo fait valoir place là bien parce que Neg ça a remplacé des bons joueurs là, des gros bons joueurs qui étaient là. Nous avons parlé de Sonny Nordé tout à l'heure, nous parlons de l'autre joueur tout et nous parlons de Augustin. Et même dans Nefti Bakou, gagnons l'autre attaquant parce que dans Nefti Bakou, c'est trois Haïtiens qui gagnent. C'est trois Haïtiens dans Nefti là. Gagné Donald Guerrier. Donald Guerrier que de toute façon nous pas ouais là. Ça c'est une surprise. Yo. Ok. Gagné Donald Guerrier. Peut-être que vous avez monsieur Chancelan comme monsieur pourquoi entraîner. Et puis c'est monsieur fait qu'entraîner dans Nefti Bakou. Et puis même l'autre attaquant tout que nous t'es ouais dans Nefti Bakou. Nous t'es parlé de ça dans dernier post que nous t'es fait sous sélection. Hein. S'ouvrir à regarder pour ouais dans sous regarder dernière vidéo que nous fait côté que n'a parlé que Donald Guerrier joue dans le club blanc et ben justement après que tout pour être non troisième attaquant ça non échappé et ben gagner place commencer cher dans sélection parce que haïtien nous connaît nous même peuple haïtien nous tout partout dans tout pays et ça c'est connexion Europe là. Mais quand il y a ici un tout qui est en Amérique du Sud. Par exemple, soit on regarde Chili, ok? Soit on regarde Chili par exemple, il y a un pile haïtien qui est dans l'école football Chili. Puis fort haïtien qui est à Chili, ça gagne résidentiel. Puis fort là-dedans, fait Timounio jouer football. Ok? Donc, très bientôt là, dans 11 ans à peu près, dans 8-9 ans, à partir de 8 ans, comme ça, Haïti pas bon bastion de footballeurs en Amérique du Sud et qu'il y a capable d'utiliser tout. Par exemple, dans le pays Chili, dans le pays Brésil, nous connaissons plusieurs et beaucoup gagnent en pile en Argentine, mais des pays comme Équateur, tout côté haïtien passé en transition, du côté haïtien campé, dans le pays Costa Rica chargé et dans le pays Mexique tout. Dans le pays Mexique, du côté de Tijuana, nous connaissons une forte communauté haïtienne. Il y a même
une équipe football de Haïti de qui a participé dans le championnat Tijuana avec haïtien seulement la donne. On est haïtien tellement prend Tijuana pour yo haïtien gagne même village yo qui relé Haïti kounya là dans Tijuana. OK, on sort de bidonville lié et nous connait que haïtien yo bien intégré dans Tijuana, grand pile qui a fait en pile belle bagaille l'autre bois, gagne radio Tijuana etc. Bien rap haïtien qui a joué Tijuana. Donc vraiment là nous on est dans sélection ça que convoqué là pour 7 septembre là, et ça c'est plutôt connexion européenne là, mais connexion sud-américaine dans l'avenir. Et même si Haïti en Haïti nous pouvons jouer football là correctement, mais haïtien a joué football à travers le monde et pas étonné nous si des résultats quand pour ça sont sortis dans goal que pas là retourner, parce que talent li là c'est juste compétition nous besoin. Nous avons talent naturellement, nous conduisons le football naturellement, nous sommes gros défenseurs, nous sommes gros attaquants, nous avons technique naturellement, nous sommes capables de dire haïtien, nous avons technique quand nous sommes brésiliens, nous n'avons pas peur de technique ça. Et nous avons juste besoin de bons clubs, bons encadrements pour nous avancer. En tout cas, match qui a soir, même moi, pas appel. Moi, d'après moi-même, c'est deux rendez-vous là que Haïti a supposé battre au moins par 2-3 buts d'écart. Donc, à moins de cause inconvénient, mais match aller et retour ça, dans Nation League là, qui comptait tout dans l'éliminatoire au Coupe du Monde. Non, pas oublier ça. Parce que c'est une question de meilleur que le Balbra. Meilleur classement. Donc Haïti supposé les joueurs craser ti équipe ça, c'est craser honnête, pas quitter en rien. Donc nous pas suivre ça pour vous. Et puis depuis gagne des nouvelles qui sorti qui sont B sous sélection, bien sûr n'a pote pour vous et vous êtes branché en pile nouvelle à tomber.